Le Baku est un yokai chimérique, combinant la trompe d'un éléphant, les yeux d'un rhinocéros, la queue d'un bœuf et les pattes d'un tigre. C'est en tout cas ainsi que le décrit le Sankai Ibutsu, un manuscrit japonais du XVIIe siècle. Tout comme le Kirin, le Baku est une créature très ancienne, originaire de Chine, et est lui aussi bénéfique pour les humains. Selon la légende, une fois que les dieux eurent fini de créer les animaux, ils construisirent le Baku avec les morceaux qui leur restaient, ce qui explique son apparence saugrenue. Il se nourrit des rêves des humains en général, mais plus spécifiquement des cauchemars. Il était coutume de les invoquer pour se protéger des mauvais rêves, ou de les appeler pour qu'ils viennent dévorer un songe particulièrement éprouvant, et donc nous le faire oublier. Par extension, on peut aussi leur attribuer un rôle de protection contre les esprits maladifs qui répandent les épidémies, voire contre les mauvais yokai en général. Cela explique qu'on en trouve tant sculptés dans les piliers des temples ou portés en amulettes. Il semblerait même, selon Shigeru Mizuki, que le fameux Toyotomi Hideyoshi gardait une illustration de Baku près de son oreiller, sûrement pour le protéger contre une quelconque menace onirique. Genpei ryōgun funa deshite da.